Ça nous est tous déjà arrivé, de ne pas nous décaler à gauche lorsqu'un véhicule est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai appris il n'y a pas longtemps ce qu'était le corridor de sécurité. Jusqu'à présent, je ne me décalais jamais quand il y avait un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Et c'est vrai que des fois, je me rendais compte que je frôlais d'un peu trop près le véhicule. Quand je vois un véhicule ou un fourgon sur le bas-côté, j'ai pas forcément le réflexe de me mettre sur la voie de gauche. Et pourtant, 4 agents autoroutiers ont été tués en 2022 sur les autoroutes françaises et 169 heures de matériel auraient pu être évitées. En 2022, 3 accidents sur 4 ont eu lieu en partie droite de la chaussée. Le corridor de sécurité est une manœuvre inscrite au code de la route depuis 2018.